Madame Science passe sa main sur un document qui semble vierge. Ah bonjour, je suis Madame Science et aujourd'hui, nous allons apprendre à lire le braille. Elle tend le document vers nous qui, à la lumière, s'avère être rédigé en braille. Un texte apparaît. On peut y lire « Madame Science écrit en braille ». S'ensuit un dessin représentant Madame Science, les yeux bandés, tenant à la main une pomme de terre et dans l'autre une boîte d'œufs. Pour cette expérience, il vous faut une boîte à œufs et des balles, des patates. Moi, j'ai pris des pommes de terre. 6. Et bien sûr, le manuel pour écrire les lettres de l'alphabet en braille. Sur la couverture du manuel, on peut lire « Apprendre le braille, méthode d'apprentissage du braille intégral ». Pour écrire en braille, nous utilisons des caractères. Elle dispose les pommes de terre dans la boîte d'œufs de manière à y former une lettre en braille. Il y a 64 combinaisons possibles. On peut donc écrire toutes les lettres de l'alphabet, plus la ponctuation, les chiffres et aussi les accents. Et voilà, un E accent aigu. Je vais donc masquer les yeux. Elle porte un bandeau sur les yeux. En braille. Je vais écrire mon nom, Madame Science. Elle écrit en noir sur une feuille de papier, Madame Science. Pour indiquer qu'une lettre est en majuscule, il y a un caractère, comme ça, qui veut dire que c'est en majuscule. Voilà le M. Elle forme un autre M suivi d'un E. S. C. Une poignée de chatons se promène parmi les pommes de terre. Voilà le I. L'un d'entre eux est particulièrement aventureux. Le E. Le N. C. Le E. Et le S. De nouvelles boîtes d'œufs apparaissent. Elles forment les mots. À toi de jouer. Retrouvez Récréa Science sur Facebook, Instagram et Twitter.